Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, unboxing Diamond Painting, bien sûr. Alors, unboxing avec la boutique GBFKE. Voilà. J'ai reçu un colis aujourd'hui, donc je vous l'avais dit, hein, j'ai plusieurs colis à recevoir en ce moment. Donc j'en ai reçu un aujourd'hui. Donc le voilà. Donc c'est arrivé par la poste. Donc toc toc la poste, oui, voilà, ça a été impeccable. Il n'a pas mis dans la boîte, de toute façon il n'aurait pas su. Donc c'est arrivé. Alors, 1, 2, 3. La boutique m'avait contacté donc le 12 octobre. On est le 23, donc ça a mis une dizaine de jours hein, pour arriver. Donc une très bonne moyenne. Hein. Voilà. J'avais déjà reçu un des colis de chez eux, donc il n'y a aucun souci. Ils tiennent leurs engagements au niveau de la livraison. Alors, je vais enlever le plastique. Hop, on va le mettre sur le côté. Alors, cette fois-ci, j'ai pris, bon, comme d'habitude, des kits. J'ai choisi ce que je voulais. Donc, je ne sais plus ce que j'avais le droit de prendre, mais enfin bon, j'ai deux kits et deux choses, on va dire deux objets à diamanter, voilà. Je ne sais plus ce qu'il m'avait dit que je pouvais prendre, mais bon, soit. Alors, en premier, je vais vous montrer quoi. Bon, je vais vous montrer le petit kit, voilà, donc. Celui-ci, je vais prendre un ciseau. Alors, comme d'habitude, vous le savez maintenant, je vous mets tous les liens en barre d'infos, le lien de la boutique et les liens des objets que je vais vous présenter. Voilà, donc vous aurez plus qu'à cliquer dessus si ça vous intéresse pour aller les retrouver. Alors, je vais faire un peu de place. Alors, celui-ci, c'était quoi? Ah oui, voilà. Il y a des moments où je ne sais plus ce que je dois recevoir. Alors, déjà, la taille, est-ce qu'elle est notée quelque part? J'ai peut-être marqué dans mon cahier, c'est plus simple. C'est un 40-50, voilà. Comme d'habitude, je vous montre le motif après. Donc, ce sont des perles rondes. Le petit kit qui va bien, comme d'habitude. Bon, ça, je ne le présente plus. Hein. Maintenant, on a l'habitude. Hein. Et donc, des perles rondes. Voilà, en sachets chapelet, les sachets chapelet, c'est pas facile à dire, hein, ça. Alors, j'ai combien de couleurs? Hop, c'est ça que j'ai oublié de vous dire. J'ai 29 couleurs. Voilà. Ouh, je cache. Je cache. C'est plus rigolo que vous voyez d'abord les perles avant de voir le kit. Allez. Donc ici, il va y avoir beaucoup de violets. Donc, voilà les couleurs. Donc ça commence par un violet très foncé. Voilà. Alors là, j'en ai 1, 2, 3, 4. J'ai 5 paquets comme ça. Alors, 5 paquets. Là, j'ai un bleu. Un autre violet.
encore une autre sorte de violet. Un violet bon, un peu plus rose là maintenant. Voilà, un rose. Là, c'est cette couleur, ça. C'est pas du noir, mais ça s'y approche, puisque c'est pas la référence du noir. Un autre violet, toujours. Encore une autre sorte de violet. Là, un marron. Violet. Un rose, un bleu, il y a trois sortes de bleus différents. Voilà. Et dans le deuxième chapelet, alors c'est du, est-ce que c'est du blanc ça? Non, c'est pas un blanc. Non, c'est pas tout à fait un blanc. Un bleu, encore une autre sorte de violet. Là, j'ai toute la gamme des violets. Hein. Voilà. Là, un marron bordeaux, plutôt bordeaux, oui. Rose. Rose. Encore un rose. Maintenant, je pars dans les roses. Un rose encore, rose. Un marron. Un bleu clair. Et un rose pâle. Voilà, voilà pour les couleurs. Donc, je vais avoir pas mal de violet, comme vous pouvez voir, dans ce kit. Alors, comme d'habitude, bon, la toile n'a pas de rivière. Elle est un peu chiffonnée. Par rapport pardon, à l'emballage, mais ça c'est pas un problème, hein. Comme je dis toujours, oh, j'ai plus de voix, un petit coup de fer à repasser et puis ça ira. Voilà, donc c'est un 40-50 avec 29 couleurs et maintenant je vous montre le motif, le voici. Donc alors, c'est une japonaise. Elle était présentée comme une japonaise. Voilà. Avec des fleurs de cerisier, ici. Voilà, ici aussi. Il est très joli, hein. Donc voilà. Je vais vous remettre à la fin les photos. Comme ça, vous les verrez mieux. Donc, hop, le petit sachet. Ah, mais il est là. Donc ça, c'était le premier kit. Je vais le rouler comme ça. Le deuxième. Alors, le deuxième, il fait quelle taille? C'est un carré. C'est un 50-50. Alors, toujours le bruit du plastique. J'ai perdu mon... Non, je sais pas. Alors, il a combien de couleurs, celui-là? Il en a 26. Donc, c'est incomplet. Ah oui, je ne vous ai pas montré au niveau de l'impression. C'est ça que j'ai oublié de vous montrer. Alors... Ça va, mais bon, le fond est un peu foncé, donc heureusement que je vais avoir ma tablette. Hein. Je vais vous remontrer. Voilà. Alors. Hop. Voilà. Donc, ma tablette sera... C'est bien imprimé, mais bon,
Comme c'est un peu foncé le fond, ma tablette sera la bienvenue. Voilà, et niveau colle, ça colle. Voilà, j'ai réparé mon petit oubli. Je mets les perles dedans. Je vais me mélanger les pinceaux. Alors, le carré. Ah, là, j'ai deux kits. Donc, j'ai le droit à deux kits. Je commence une collection. Hein. Ce sont aussi des perles rondes. Des fois, je sais... Des fois, je sais plus si c'est rond ou carré. Alors. Alors, celui-ci, j'avais vu sur mon groupe que j'avais un membre, une membre de mon groupe qui l'avait fait. Et j'avais vu, était pas mal. Hein. Alors, on va vous montrer les couleurs. Alors, est-ce que j'ai du noir? J'ai pas l'air d'avoir du noir. Non, j'ai pas de noir. Donc ça va. Mais il y a une couleur qui s'en rapproche. Alors. Hop. Voilà, un gris. Voilà, ici, vous voyez, ça se rapproche du noir. Mais c'est pas la référence du noir. Donc, orange. Un vert foncé. Du rouge. Une autre sorte de rouge. Un kaki. Un gris. Un marron beige, enfin orangé. Là, un gris foncé. Marron. Rouge rose, orange, un beige rosé. Alors là, je crois que j'en ai plusieurs. Oui, là j'ai les deux paquets pareils de vert, un autre vert, encore une autre sorte de vert. Là, un rose, une autre sorte de vert. Là, je suis dans le vert hein, pour celui-ci. Là, j'ai deux paquets pareils de vert. Là, un rouge, un rosé, un gris, un orangé, un vert, un autre orangé mais plus clair. Et un marron clair. Donc voilà pour celui-là. Donc là, on est dans le vert. Donc pareil, pas de rivière, hein, juste le petit coup de fer à repasser qui ira très bien. Et maintenant, je vous montre. Alors, comme j'avais bien dit, un 29 couleurs, c'est un 50-50. Et voilà. Donc, c'est celui-là. Donc, avec un genre de chapeau, avec... Des fois, quand je regarde la photo, pas là-dessus, ça ne se voit pas trop, mais sur la photo, on dirait qu'elle a des pelotes de laine sur la tête. Donc voilà, j'aimais bien celui-là. Ça faisait un moment que je l'avais vu. Et je trouvais pas mal. Donc il y a quand même des grandes surfaces de verre, hein, vous voyez, dans le fond. Bon, c'est vrai que je disais que je voulais plus de grandes surfaces de même couleur. Mais là, il y a quand même des nuances. Donc, ça devrait aller. Il est mignon aussi, hein. Voilà, pour le deuxième. Thank you.
On va tout mettre comme ça. On remballera après. Je crois qu'il va me falloir une deuxième vie pour faire tous mes DP. Je crois. Alors, ici, ça va être des petites récréations pour moi. Alors, ici, le premier. Donc, c'est un genre de petit tableau. Mais alors, par contre, je pensais qu'il allait être un peu plus rigide. Mais bon, c'est pas très grave. Alors, je vais vous montrer. Je vais l'enlever de son plastique. Hop. Et voilà. Donc, j'ai encore le droit au petit kit. Là, j'ai les petits sachets, par contre, en plus. Donc, ici, avec, j'ai une chaîne. Voilà. Avec des petits crochets. J'ai les strass, parce que là, ça va être avec des diamants spéciaux. Et alors que je vous mette à l'endroit, oui c'est comme ça. Alors par contre, il faudra que je regarde où est-ce qu'il est, comment il va s'accrocher, parce qu'il n'y a pas de trou de prévu. Mais bon, on verra au moment qui sera fini. À moins que je trouve un cadre ovale. Donc voilà, les petits pans. Là, pour une fois, je vous montre le dessin tout de suite parce que je voulais vous montrer. Mais voyez, bon. Donc c'est souple. Donc soit je vais coller sur un carton quand il sera fini ou avant de le faire, je verrai. Ou alors trouver un cadre ovale peut-être. On en trouve un des cadres ovales. J'ai les vieux cadres dans un carton, là. Je regarderai si j'en ai pas un qui irait avec. Voilà. Quand je l'avais vu en photo, je l'avais vraiment trouvé très, très beau. Bon, le seul choix, c'est ça. C'est que là, il est souple. Je pensais qu'il aurait été un peu plus rigide. Mais bon, il y a toujours moyen de goupiller quelque chose après pour le mettre au mur. Voilà. Donc, avec celui-ci, on a des strass spéciaux. Alors, je trouve le bout pour ouvrir. Si je le trouve. Ah, voilà. Donc ça va être une petite récréation entre deux. Fini, il est beau, hein. Je dis en photo, je l'ai vu. Bon, alors ça vient. Ah. En photo, il est vraiment très beau. Alors, bon, je les montre peut-être pas dans le bon ordre, mais c'est pas grave. Donc j'ai des grosses gouttes d'eau comme ça. Donc ça, c'est pour mettre dans les plumes, hein, du pan. Là, j'en ai des plus grands. Ici, j'ai des petits strass comme ça, en forme de diamant. Et ensuite, j'ai les strass. Alors, on a quelles couleurs? Les premiers, c'est couleur diamant. Là, ceux-là, c'est couleur... alors, attendez. Jaune, voilà. Du bleu. Du violet. C'est vrai que vous ne voyez pas beaucoup, mais... Là, j'ai encore du bleu. Là, un bleu très brillant, ici. Là, c'est... Ah, c'est du noir. Du vert.
Là, j'ai des demi-perles, comme ça, jaunes. Et des petites gouttes, comme ça, vertes, holographiques. Voilà. Donc, il y a des jolies perles à mettre dessus. Voilà. Ça va plier, oui. Voilà. Donc, je pense qu'une fois fini, puis je vais goupiller un truc pour que je préfère que ce soit rigide. Mais je vais trouver, hein. Ne vous inquiétez pas. Soit avec un carton ou... Je vais bien trouver un truc. Géo trouve tout. Didith trouve tout. Alors, attendez, parce que là, je vais tout remettre dans le sachet tout de suite. Pour pas perdre des pièces. Hop. Je mets les chaînettes avec. Voilà. Donc, non, je pense que ça va être très beau. Mais il faut juste que je le colle sur quelque chose de rigide. Donc il y a plusieurs modèles, hein, si je me souviens bien. Voilà. Et le dernier, alors j'en avais déjà vu, hein, j'ai vu plusieurs filles en acheter ça, et moi je n'en avais pas encore pris. Je me suis dit, bon, je veux dire, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et puis, puis je me suis dit, allez, je me lance. Donc, c'est dans une boîte comme ça, en carton. Donc, vous aurez deviné. C'est une petite décoration avec des petites LED. Il n'y a plus rien. Donc, il y a toujours le petit plateau avec le stylet. Donc, j'ai les petits strass que je vais vous montrer. Alors, voilà comment ça se présente. Donc, bon, c'est du plastique, hein, pas se leurrer. Donc, ici, alors, il faut mettre des piles, voilà. Donc là, derrière, on va mettre, alors, il faut mettre deux piles. Voilà, ça doit être des petites. Alors, j'ose pas trop tirer. Voilà, donc voilà ce que je dois décorer. Ça, c'est le support sur lequel ce sera mis. Voilà, donc comme ça. On fera mettre les trous devant. Oui, il y a des... Je vais vous montrer de l'autre côté. Vous voyez là, il y a des trous, mais c'est déjà pré-découpé. Donc, on fera les mettre devant. Et ici, à l'intérieur, donc, on a toutes les LED, voilà, qu'il faudra passer dans les trous. Et sur chaque LED, il y aura une petite boule à mettre. Voilà. Donc, la petite boule, si vous voulez, quand tout est monté, les petites boules se mettront, seront là-dessus. Voilà. Bon, mais ça, je vous ferai le montage, je le ferai en vidéo. Et on fera le montage ensemble. Et je vous le montrerai. Voilà. Bon, mais il n'y a rien de compliqué. Hein. Il ne faut pas sortir de Saint-Cyr hein, pour faire ça. Bon, il faut juste espérer que ça fonctionne bien. C'est tout. Donc, c'est pour ça. Ça, je ne tarderai peut-être pas trop à le faire. Je le ferai rapidement. Parce que si jamais il y a un souci, que ça ne fonctionne pas ou quoi... comme ça, je peux prévenir la boutique que j'ai un souci avec. Alors, j'ai d'abord une grosse perle comme ça. Elle va se mettre tout au milieu, celle-là. J'ai des petites gouttes d'eau comme ça.
Ensuite, ça c'est quoi? Alors, je regarde parce que d'un côté c'est noir. Ah oui, d'accord. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 9 couleurs. Donc là, alors c'est noir d'un côté et argenté de l'autre. C'est les demi-boules. Donc c'est l'argenté qu'on verra. Ici, des petites perles en forme de diamant, mais dorées. Des strass bleus. Des petites gouttes d'eau. Alors, quelle couleur? Elles sont blanches holographiques. Là, ce sont des longues. Vous voyez, elles sont longues. Donc, orangées. Là, elles sont... J'essaye pour que vous voyez la couleur. Voilà. Violet. Holographique et le dernier c'est des vertes vert bleu on va dire voilà donc voilà donc ça je vais pas tarder à le faire hein. Je vais le faire rapidement je vous dis comme ça pour être sûr que tout fonctionne bien que s'il y a un souci comme ça je peux réclamer au magasin. Malgré que c'est un partenariat, même si ça, on ne sait jamais. Hein. Faut quand même que ça fonctionne. Donc voilà, je ferai peut-être ce week-end. Ouais, on fera ensemble en vidéo. Hop, je remets tout bien. Donc voilà. Et donc ça, ça à la fin, ça fait ça. Voilà. Mais je vous remets la photo hein, à la fin. Donc voilà. Je remercie beaucoup donc la boutique GBFKE. Voilà, pour son partenariat et pour ses jolis kits et donc les petits objets que j'ai choisis. Bon, je vais essayer de faire ça, tout ça au plus vite. Hein. Il va falloir commencer à prendre des numéros pour que faire à la suite. Oh là là, quand je regarde. Je vous dis, il va falloir que je vive centenaire pour pouvoir faire tout ça. Je vais essayer de remettre tout ça comme je peux, sinon ça va rester comme ça, hein, c'est pas grave. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ce que je vous ai présenté ça vous a plu également. Donc vous retrouvez donc tous ces articles en barre d'infos, comme d'habitude, hein, le lien de la boutique, les liens des articles. N'hésitez pas à cliquer dessus pour voir, pour les découvrir directement sur la boutique. Et moi, je vous dis maintenant à bientôt pour une nouvelle vidéo, pour de nouvelles vidéos, et nouvelles aventures et plein de belles choses, comme d'habitude. Je vais y arriver. Ça commence à être là. Oh non, il n'est que 4h20, fin de l'après-midi pourtant. Et n'oubliez pas, hein, ce week-end, on change d'heure. Donc, on recule. Donc, on dort une heure en moins, je crois, ce week-end. Ouais, c'est ça. Alors, en plus, avec comment on appelle ça? J'allais dire le confinement. Non, c'est pas un confinement. Le couvre-feu, voilà. Moi, je suis dans un département où, où à partir de ce soir, minuit, il y aura le couvre-feu. Je m'en fous, moi, le soir, je ne sors pas. Donc, couvre-feu, ben, avec le décalage horaire, là, ça va encore être pire. Hein. Il va manquer encore une heure.
Oui, moi dans le nord, maintenant on est en couvre-feu complet, donc mais bon. De toute façon, il faut bien qu'on y passe. Restez bien prudents. Du coup, je profite pour vous dire de rester tous prudents, hein, de faire tout ce qu'il faut. Masquez-vous, lavez-vous les mains, soyez prudents, faites pas de bêtises. Plus on sera à faire attention, plus vite on en sortira. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. Maintenant, c'est sûr. Et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.